Je crois fait en dessous d'un arbre ne vaut pas son pesant d'or. Le porte-parole du gouverneur du Maniema, Maître Kaseya Mayaliwa. Ils ne siégeront plus comme président et vice-président de l'Assemblée provinciale du Sankuru. Benoît Olamba et Anatole Dilomba ont été démis de leurs fonctions ce samedi par la majorité des députés provinciaux. Une pétition a été signée par certains députés qui les jugent d'incompétents et les accusent de violer souvent le règlement intérieur. Face à cette action, Anatole Dilomba critique la démarche de ces députés et parle d'une procédure irrégulière. Il pense saisir la justice pour annuler cette décision. Détail Alain Saveur Makoba. Sur les 19 députés provinciaux qui ont participé à la plénière à Lusambu, 16 ont voté pour le départ de Benoît Olamba et Anatole Dilomba dans une assemblée provinciale composée de 25 élus. Ayant pris part au vote, le député Francis Ilunga parle d'une joie de la dictature de la démocratie qui est la majorité. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une joie parce que vous savez, la dictature de la démocratie, c'est la majorité. La majorité des députés ont dit non au retour des pêcheurs de ex-président Benoît Olamba. Alors, nous sommes partis au vote. La majorité a voté oui pour son départ avec le vice-président. En tout cas, c'est une joie. Nous en félicitons les honorables députés parce qu'ils ont manifester leur vœu, c'est ça la démocratie. Pour sa part, Anatole Dilomba estime que cette procédure est irrégulière. S'agissant de la réponse de la Cour sur leur requête, il dit étudier la possibilité de saisir les autres instances. La démarche dès le début était irrégulière. Nous prenons acte de ce qui vient de se passer. La Cour que vous avez saisie a décliné sa compétence à connaître votre requête. Pensez-vous saisir d'autres juridictions? Tout à fait. On va voir ce qu'on pourra faire. Mais compte tenu de l'approche des élections, si on trouve que c'est inopportun, on peut laisser tomber et nous organiser pour les joutes électorales. De Kananga, Alain Saver Makoba pour Top Congo FM. On a parlé il y a quelques jours des chefs coutumiers dans la province du Haut-Uele qui auraient adhéré dans un parti politique. Et il semble que ce sont des hommes politiques qui cherchent à ternir l'image du gouverneur de cette province, Christophe Basséané. Réaction donc du secrétaire exécutif provincial adjoint chargé...